Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver après cette longue absence. De retour de vacances, je vous ai rapporté quelques petits souvenirs. En effet, j'étais du côté de Bordeaux, où il était difficile de passer à côté. Tolls était massive, 20 statues du célèbre chat de Philippe Gueluc. Elles ont pris leur place du côté de la Gironde, entre le miroir d'eau et l'esplanade des Quinconces. Depuis la mi-juin 2021. C'est une exposition en plein air qui est gratuite, accessible à tous et qui s'appelle le Chat déambule. Cette exposition avait été mise en place du côté des Champs-Élysées juste avant, mais à l'occasion de la fête du vin à Bordeaux entre le 17 au 21 juin, l'exposition présente 20 énormes chats en bronze de 2 mètres de haut, dans lesquels on retrouve de nombreuses références à l'actualité, traitées souvent avec humour, poésie. Et dérision pour certaines. Ces sculptures, d'une légèreté relative, ont nécessité 20 tonnes de bronze. Elles pèsent chacune entre 800 et 1200 kg, et la plus grande mesure 2,80 m. L'exposition, après Paris et Bordeaux, déambulera dans d'autres villes françaises, avant de se terminer à Bruxelles en 2024, à l'occasion de l'inauguration du musée du chat et du dessin d'humour conçu par Gueluc pour rendre hommage au courage des dessinateurs de la presse. Il vendra d'ailleurs ses sculptures pour pouvoir financer en partie ce musée. Voilà, je vous souhaite une bonne visite virtuelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Profitez bien. Au revoir.